Le voici, Blue Dragon, on l'attend évidemment, c'est le cheval, c'est un cheval complètement hors norme, hein. C'est sans doute un des meilleurs chevaux de haie, pas vu à Auteuil, enfin vu à Auteuil en tout cas depuis de nombreuses années. Un cheval fantasque, qui a eu quelques soucis cette année à Saint-Quentin, et puis il vient de faire sa rentrée de façon assez fracassante en place sur l'hippodrome de Moulins, et là il tente directement de revenir sur la plus haute marche du podium, sur les sommets d'Auteuil, dans le groupe 1 Grand Prix d'automne, un groupe 1. Sur 4800 mètres, l'équivalent de la grande course de haie d'Auteuil pour la version automnale, donc pour ces 48 heures de l'obstacle. Voilà, là on est en train de lui mettre ces espèces de crème pour des façons à ce qu'il ne se blesse pas s'il frotte aux obstacles. Tous les moindres détails ont été étudiés pour ce Blue Dragon, le numéro 11, le crack qui va tenter de remporter le Grand Prix d'automne. C'est parti. Guillaume Macaire est là en train de donner ses derniers ordres. Et oui, jusqu'au dernier moment, ça fait plaisir de voir ce rond de présentation d'Auteuil archi comble pour le Grand Prix d'automne avec les talons GMX. Voici l'anglais Tizig, le crack de Paul Nichols. Il est suivi d'Hippomène, évidemment, Jean-Paul Gallorini, le 3 Ultra J. Allez, le petit pousset Ultra J. Regardez, on a toujours tous les fans d'Ultra J qui sont là. Et derrière, bien sûr, qui est-ce qui suit? C'est Perly de Clermont, le numéro 4, entraîné par François-Marie Cotin. Et juste derrière, dans un mouvement tout à fait parallèle, François-Nicole a mis en scène le jockey d'Alex de Larreta, Gaëtan Mazur. Salut Gaëtan. Ici, le rêve de Sivola, l'immense rêve de Sivola, le numéro 7. Non, le 7, il n'est pas là. Le 8, c'est Série en choc, la belle histoire Alexandra Rosa. Il est suivi ici de Aubusson, le cheval de Nick Williams, un Anglais, monté par une demoiselle, Madame Kelly. Et voici Ludovic Philippe Roncel sur le 10, Rock the Race. Et bien sûr, voici Blue Dragon, voici monté par James Revelet. Et puis derrière, il y aura Balotin, le numéro 12, et enfin le 13, Soloway. C'est parti maintenant pour le Grand Prix d'automne, groupe 1 à Auteuil 2016. François Nicole et Jean-Claude Rouget, mais c'est François qui est devant aujourd'hui avec son beau chapeau. Et François d'ailleurs est Moreau. Alors mon petit François, c'est bon ça, hein? Ouais, ça va. Ça va mieux là. On raconte? Rien, écoute, bien, voilà. Il a monté une course de rêve. Le cheval était très bien, on a fait du bon boulot la semaine. Parce que la dernière fois qu'il a couru, j'ai pesté un peu parce que tout le monde s'est endormi, le jockey, l'entraîneur et le lad du matin. T'as gueulé un peu, ouais. J'ai engueulé l'entraîneur, j'ai engueulé le jockey et j'ai engueulé le lad. Et puis le résultat, c'est qu'il a gagné son groupe. Voilà. Et un groupe 1, premier groupe 1, hein? C'est bon ça le premier groupe 1, non? Ça fait combien de temps que t'en rêves? Celle jusqu'à maintenant, c'est fini. Alors ma vieille dame. Merci François. Et voilà la pucelle qui est passée vieille dame. François Nicole, le vainqueur de ce Grand Prix d'automne avec Alex de Larreta. Et le voilà, le grand champion Alex. Alex de Larreta avec Gaëtan. Gaëtan Mazur, bravo Gaëtan. Merci, merci. On les a eu tous autant qu'ils sont. Bon alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Eh ben un régal, le cheval parfait, le Alex de Larreta d'habitude, très tonique, facile. En face, on allait vraiment très vite. J'ai dit moi je vais temporiser, je vais pas bouger, je vais voir dans le tournant. C'était une course de dingue. C'était une course de dingue comme vous dites, c'était un 1200 mètres. Et moi c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, plus c'est long, plus il va dans le terrain, il adore ça. Et l'accélération qu'il m'a mis après la dernière, ça me laisse sous le cul. Et ton premier groupe 1, alors tu vas le savourer là maintenant là? Bah là ouais, on va le savourer. Bravo Gaëtan. Allez, venez avec moi, on va aller voir des gens qui sont discrets comme ça, qui restent en recret. Pourtant Alex de Larreta, c'est eux. Jean-Luc Laval, bonjour, ça va? Et bien sûr, l'indispensable Chantal. Ça va? La secrétaire de l'Exo, le syndicat du Sud-Ouest. Alors Chantal, une fierté immense
Ah, tais-toi, le cœur, j'en tremble encore. Super, super, super. Comment t'as vécu cette course ? Ben, un peu angoissée, parce que il y avait des trous, c'est des longueurs à refaire. Et puis quand il l'a refait, ben, tellement bien que depuis l'avant-dernière, on s'est dit ça y est, c'est bon quoi. Alors Chantal, vous avez reconnu un petit accent chantant et Jean-Luc, ils sont bien sûr de la région paloise. Alors raconte-nous un peu où est-ce que vous vous élevez et puis d'où vient cet Alex de la Reda ? Eh ben, on élève dans le sud-ouest, sur les coteaux du Rançon. Ah, c'est bon ça ? Au cœur des vignobles, on est très bien. On est très bien. Et Alex vient de Kindestruval qu'on avait réclamé il y a quelques années à Pau et qu'on a gardé Poulinière. Eh bien, félicitations, une grande victoire pour le Sud-Ouest en obstacle, dont la réputation est plus peut-être pour les chevaux de plat, mais, après, Gemix d'ailleurs, élevé dans le Sud-Ouest, qui a gagné la grande course de haie, et plein terre d'élevage. Terre de champion d'obstacle. Voilà, le Sud-Ouest, terre de champion d'obstacle. Bravo, c'est la phrase de conclusion de ce Grand Prix d'automne étalon Gemix. Merci.